Oh, je vais te tuer! Je vais te baisser alors que tu lui ouvres la bouche! Oh! Ça va aller, fiston, ça va aller! Michael! Ouais. Ok. J'arrive. Oh les gars, touchez à rien là, laissez ça tranquille, le coroner arrive. Je suis sur place. C'est pas beau à voir. Le style, je reconnais pas. Professionnel ou pas, en tout cas c'est. J'ai pas de mots pour ça. Non, c'est dégueulasse. Vraie boucherie. À mon avis, on a affaire à un taré. Un sérieux client là. Oh oui. Faut être malade pour faire ce genre de truc. Non. Ok, je te rappelle. Ça marche. À plus tard. Changer de vie, changer de métier, on verra bien. Je stoppe Larry, je ne peux plus. Il va falloir prendre ça à la légère quand même.
Tu es franc, tu es franc, tu es franc. Oh, tu m'as tué, franc. Je suis fatigué. Fatigué de tout ça. Toute cette histoire, tout ce qui se passe. Tous ces gens que je n'ai pas pu sauver depuis toutes ces années. Et mon petit garçon. Je suis pas arrivé à ce moment-là. Je suis pas arrivé plus tôt. J'y pense tous les jours. Depuis tout ce temps. Chaque instant. Un pot, t'imagines même pas. Et j'en peux plus de cette société. De ce monde pourri, jusqu'à la moelle. Corruption, mépris. Ce monde me sort par les yeux. Plus de respect, plus de valeur. Ce monde ne m'amène rien, rien de bon. J'ai plus confiance en personne. J'ai l'impression d'être perdu. Et pourtant, je m'accroche du mieux que je peux. Est-ce que ça m'en remet en question? Non. J'ai toujours été droit, juste et honnête. J'ai l'impression de ne plus être à la hauteur. Ah, ce bon vieux Brady est sûrement bon pour la casse. Je suis fatigué. Fatigué. Tellement. Approche, mais pour faire, je veux pas te bouffer.
le connard. Oui, c'est moi. Comment tu vas? T'es fini, mon pote. T'es coulé. Tu t'es sorti du piège, c'est bien. Félicitations. Tu t'en sors avec les honneurs. De toute façon, tes jours sont comptés. C'est moi qui vais te descendre. C'est moi qui vais te tuer. Où tu veux et quand tu veux. Je vais te crever, pourriture. Avec joie. Franck. Larry ? Mais je te croyais... mort ? Comment est-ce possible ? Tous des pourris à la brigade. Tous des corrompus. Facile de les acheter. Mais toi, Franck... Et pourquoi ? Pourquoi tout ça ? J'ai jamais pu te blairer. Mais tu crois que tout arrive par hasard ? Partenaire Jimmy, ton ex-femme, et ton fils, tous des marionnettes, sauf toi, jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Ben vas-y, fais ton job! Effectivement, tu as raison. Je suis flic et je ne sais rien faire d'autre. Et j'en ai strictement rien à foutre, connard! Oh. 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 Je te l'ai toujours dit, Larry.